La sueur coulait sur son visage. L'air lui déchirait les poumons à chaque inspiration. Il courait, courait. Chaque foulée était un supplice. Les herbes sèches lui fouettaient les mollets, les avant-bras. La douleur était cuisante. Courir, ne pas se retourner. Là, c'était là, derrière la colline. Il fallait aller voir. Le sommet n'était plus qu'à quelques mètres. Une voix au loin criait son nom. Non, pas encore. Il devait savoir. Il y était presque. Ne pas se retourner. La nuit était épaisse. Il ne voyait pas grand-chose. Seules, les centaines de lucioles apportaient un peu de clarté dans cette ombre infinie. Les insectes aux vertes lueurs s'écartaient sous chacun de ses pas, formant une gerbe étincelante et bruissante. Il se retourna malgré lui. Son pied heurta une pierre. La chute fut sans appel, fulgurante et violente. Le souffle coupé, il tendit les bras pour se hisser jusqu'en haut de la colline. Enfin, il était à deux doigts de découvrir ce qui se cachait derrière. Dans un ultime effort, il ouvrit grand les yeux. Comme à chaque fois, une lumière aveuglante l'assaillit. Ébloui, il ne distinguait rien. Mis à part l'ampoule du plafonnier de sa chambre et sa mère qui le regardait d'un air furibond. Hector, oh, tu vas encore être en retard à l'école. Allez, grouille. Ton petit déj est prêt. Me dis pas que t'as encore fait ce rêve stupide. Sa mère quitta la chambre en vociférant de plus belle. Allez, debout, debout. Pour toute défense, Hector soupira et se contenta d'un « Oui, maman, j'arrive !» La journée n'avait pas bien commencé, et pourtant, lorsqu'il arriva devant les grilles du lycée, il se dit que la vie était merveilleuse. Comme à son habitude, Johanna l'attendait avec un sourire radieux. Chaque fois qu'il la voyait, il avait l'impression d'inspirer une bouffée d'oxygène pur à lui en faire exploser la poitrine. Tous ses soucis se volatilisèrent à la seconde où il croisa son regard. Ah, Johanna!
La journée prenait fin. Hector invita Johanna chez lui. Il voulait lui montrer le dernier cadeau de son père. Il l'avait soi-disant déniché chez un antiquaire, à l'occasion d'un de ses innombrables voyages. Il s'agissait d'une chose assez banale, mais plutôt déroutante au vu de sa taille. Un œuf, gros comme un ballon de rugby, blanc nacré, aux reflets irisés magnifiques. Johanna le regarda d'un air circonspect. Elle colla son oreille contre la paroi de l'œuf. Un battement régulier et puissant se fit entendre. Puis elle le porta sous la lumière vive. La coquille, légèrement translucide, révélait une silhouette. Ils n'en crurent pas leurs yeux. À l'étroit dans son refuge minéral, un petit être se mouvait lentement. De quel oiseau pouvait-il bien s'agir ? Leur imagination allait bon train. Cette découverte palpitante promettait de leur faire vivre une aventure exaltante. Thank you.
Le père d'Hector avait précisé qu'il faudrait, le moment venu, procéder à une certaine manipulation suivant la couleur de l'œuf. Si la coquille de l'œuf était rouge, le tremper dans l'eau. Si elle était bleue, le mettre au four. Mais de quelle couleur parlait-il ? L'œuf était blanc. Il ne comprenait plus rien. Était-ce un canular ? Et pendant qu'on y est pour un œuf vert, trempez-le dans l'huile, trempez-le dans l'eau, ça fera... Non mais, une sacrée blague que son père devait sûrement lui faire. Cependant, un beau matin, alors qu'Hector se préparait pour aller en cours, une chose extraordinaire se produisit. La lumière de sa chambre s'empourpra. Des rayons lumineux rouges émanèrent de l'œuf. Il en resta bouche bée. Et se souvint des consignes laissées par son papa. Ni une ni deux, il attrapa d'une main son portable pour appeler Johanna. Et de l'autre, il empoigna son sac à dos et déposa délicatement l'œuf dedans. Arrivé au bord du lac, ils plongèrent l'ovoïde dans l'eau. La coquille se fissura, un morceau se détacha, puis d'un seul coup, l'œuf explosa complètement. Des ailes immenses se déployèrent en une fraction de seconde. L'œuf venait d'éclore, donnant naissance à un bien étrange oiseau. Hector et Johanna le sortirent de l'eau pour le sécher et l'examiner de plus près. La tâche s'avérait ardue, car l'animal ne se laissait pas faire. Il poussait des petits cris et gigotait dans tous les sens. C'était un drôle d'oiseau. Pas de bec, mais une gueule garnie de dents bien acérées, deux petites oreilles pointues, un long cou, des ailes sans plumes, quatre pattes, une longue queue, le tout recouvert d'écailles rouges et noires. Il n'en revenait pas. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Malgré l'improbabilité de la chose, de toute évidence, il s'agissait bel et bien d'un dragon. Thank you.
Le père d'Hector était archéologue et aventurier, une sorte d'Indiana Jones. Il parcourait le monde en quête de vestiges antiques et de civilisations perdues. Durant de longues absences, il n'avait pas vu grandir son fils. Cependant, il ne manquait jamais de lui faire partager ses découvertes. Toute son enfance avait été bercée d'histoires extraordinaires que son père lui racontait à chaque fois qu'il rentrait d'expédition. Sa légende favorite était celle de la vallée des lacs. En des temps reculés, l'homme et le dragon peuplaient le monde ancien. La mer formait une frontière naturelle entre ces deux mondes, la terre de l'homme et la terre du dragon. Chacun vivait en paix sans se soucier de l'existence de l'autre. Jusqu'au jour où l'homme convoita la terre du dragon. Une guerre s'ensuivit. Les combats furent rudes, sauvages et sans pitié. L'homme parvint à dominer le peuple saurien. Prisonniers, vivant reclus, les dragons dépérirent les uns après les autres. C'est alors qu'un homme, seul contre tous, ne supportant plus cet atroce massacre, libéra le dernier dragon. La légende raconte que l'homme chevaucha la créature. Furieux, l'animal prit son envol en emportant son sauveur. Ils disparurent au loin dans la vallée des lacs. Nul ne sut ce que devinrent le dernier dragon et son gardien. Thank you.
Personne ne devait connaître l'existence du dragon. Pour ne pas éveiller la curiosité du voisinage, Hector le cachait dans le sous-bois proche du lac. La croissance de Fumerolles était fulgurante. Il volait de plus en plus haut et poussait des grognements si puissants qu'on l'entendait à des kilomètres à la ronde. Le jeune homme n'avait pas mesuré l'ampleur de la tâche. Ce qui s'avérait ludique au début devint vite cauchemardesque. Maintenant, il le savait. Son instinct le lui dictait. Ses rêves étranges étaient là pour le guider. Le souffle court, il gravit la colline. Aller de l'avant, laisser derrière lui sa vie, les êtres chers à son cœur, sans se retourner, même si cela lui coûtait. L'heure n'était plus aux questions. Il fallait agir, vite, ne pas se retourner, courir, courir. La nuit noire, les lucioles, tout était presque comme dans son rêve. Son sang se glaça. Immédiatement, il comprit que le dragon était en détresse. Il fallait faire vite. Arrivé en haut de la colline, enfin, il découvrit ce que jamais il n'avait vu dans ses songes. Il eut une vision d'horreur. Fumerolles était ligoté à l'arrière d'un véhicule, ruant et rugissant. Des hommes le tenaient fermement. Il tirait sur les liens qui se resserraient et s'enfonçaient dans les chairs. Hector, sans réfléchir, dévala la colline et se précipita pour venir au secours de son protégé. En une fraction de seconde, il mit à terre les geôliers, déstabilisés par l'attaque surprise. Comme dans la légende, il libéra Fumerolles de ses entraves, grimpa sur son dos et s'envolèrent tout de loin, très loin d'ici. Thank you.
peuple dragon ne devait jamais être révélé à la face du monde. Mener une vie marginale, voilà ce qui attendait Hector. Mais pour rien au monde, il n'aurait renoncé. Il était issu, tout comme son père, d'une très ancienne lignée, celle de l'homme au cœur vaillant. La légende était véridique. Il ne pouvait plus le nier. En lui coulait le sang du gardien des dragons. Tel était son destin.